Match compliqué. Voilà, c'était une belle équipe de la Guinée. Match compliqué, une mauvaise entame de notre part. On a un peu de réussite sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, je trouve quand même qu'on a su remettre un peu le pied sur le ballon, retrouver un peu notre jeu. Après le but, c'est sûr, on a pu être soulagé et on a pu retrouver notre jeu, mais ouais, match compliqué. Maintenant, on espère entamer le prochain match d'une autre manière pour pouvoir éviter de se mettre dans la difficulté comme aujourd'hui. Toi, personnellement, premier but en bleu, quelle émotion et comment tu décris ce moment? Franchement, très heureux, ça fait plaisir. Encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans un match compliqué. Voilà, ça permet un peu, comme je l'ai dit, de soulager l'équipe. Donc ça fait d'autant plus plaisir. Et malgré le match compliqué, ça reste deux victoires en deux matchs. Donc c'est une super entame dans cette compétition. Oui, bien sûr, c'est pas à négliger. Voilà, on a 6 points, 2 victoires, 0 but encaissé, même s'il y a de la réussite, comme on l'a dit. Mais ça reste. Et puis maintenant, il nous reste un match de poule. Il va falloir aborder de la meilleure des façons. On n'est pas encore qualifié, même si on a 6 points. Donc il va falloir être sérieux et entamer le prochain match encore mieux qu'on l'a fait durant les deux premiers matchs. Et là, ce dernier match, il arrive très vite. Ouais, dans 3 jours. Alors on a 2 jours pour se reposer et travailler en même temps, gommer les petites erreurs, on va dire, qu'on a fait durant les deux premiers matchs. Voilà, 2 jours, récupération, bien dormir et bien récupérer, bien travailler pour le prochain match.